Wesh les gars, ça dit quoi YouTube? Bien ou quoi les refs, ça dit quoi? Monsieur Martin, pour ceux qui ont loupé les derniers épisodes, on fait un petit rappel. En ce moment c'est la crise, on a fait match de contre Everton. Ah non ça va en vrai hein. Ça va. C'est pas trop la crise wesh. Mais là ici c'était bien la crise hein. Je rappelle qu'on est qualifié à l'Euro pour la fin de saison avec l'équipe de France. En ce moment ça se passe très mal pour ceux qui ont loupé la cinématique. En fait, il y a eu une petite embrouille à l'entraînement entre Martin et Son. Son qui reproche à Martin d'être un peu trop perso. Martin a pas trop kiffé ses reproches. Il lui a fait savoir. Donc du coup, c'est parti, mesdames et messieurs. On prépare le match du Barça en 8ème de finale. Ça va être compliqué, hein. Et les gars, je tiens à vous dire que toutes les prédits qui seront dans les cinématiques, c'est code x2, max de la mise 2000. C'est entre 100 et 2000. Code x2 sur toutes les prédits en cinématique. Enfin, ça vous apprendra à pas suivre là, parce que je vois, il y en a, ils discutent pendant les cinématiques. Ça va bien se passer. Nous sommes à Londres, bien sûr, au Tottenham Hotspur Stadium. Pour vous faire vibrer pendant ce match, le duo. Ça dit quoi, Junior? C'est déjà, on est là. Hein. Tu joues en quelle difficulté ultime? Bonjour, en ultime, mon ref. Ok, reste Cousin Trao. Même les plus faciles, ouais, même les plus faciles, x2. Ce streamer me dégoûte, il a volé mon système de points, bah oui. Bah oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Monsieur Yann Martin. Je vais moins faire de prédits dans les matchs, parce que vous, vous aimez trop dire, ouais, Junior. Fais ci, fais ça, mets un triplé, perd, rate ce penalty. C'est fini ça, les prédits dans les matchs. Ce sera que des prédits, est-ce que je vais gagner la Coupe du Monde, est-ce que... Des trucs comme ça, là. Allez. Non, je joue contre qui, là? Nottingham Forest, normalement, c'est victoire. Les gars, ça dit quoi, vous deviez un pro, vous? Est-ce que vous continuez toujours ou... Ou à ce moment de l'année, ça vous a saoulé? Je sais pas comment ça se fait que je joue encore, hein, les gars. Après la carrière de Tyler... L'américain là, ça m'avait saoulé. Mais là, on revient avec Monsieur Martin. Tu peux m'offrir ta PS4? J'ai pas la PS4, je l'ai donnée en Afrique celle-là. Je l'ai envoyée en Afrique, mais si tu veux, j'ai la Xbox. J'ai la Xbox 360. Non, pas 360. Xbox One à donner. Oh là 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 là. Qui joue encore la Xbox One? Je vais la donner celle-là. Je l'ai pas allumé depuis 2 ans, je crois. Je sais même pas si ça fonctionne. De base, je voulais la faire gagner à DG. Je sais pas si tu te rappelles. DG l'avait gagné, mais je l'ai pas envoyé. Je lui ai envoyé de l'argent à la place. L'équipe essaye de jouer en deux temps. Tellement qu'elle est finito cette Xbox. Moi, sérieux, tu prends? Ah, c'est le Hess ou. Moi, je veux. Moi. Wesh, les gars, wesh. En 2023, les gars. Vas-y, hein, let's go, hein. On va la faire gagner celle-là aussi. On va la faire gagner. Ça va bien se passer. Allez, pour l'instant, match très timide. Faut absolument gagner, les gars. On est 5e, hein, je rappelle. Hein. Après, c'est bien, c'est réaliste. C'est pas une carrière où je vais mettre 1000 buts comme avec Gennaro. C'est vraiment une carrière, voilà, il y a de la difficulté. Je marque pas à tous les matchs. Je dois me battre pour marquer. C'est pour ça que j'aime bien en fait. C'est pour ça que je suis pas lassé de cette carrière. C'est pour ça que cette carrière va durer. Attends, Junior, sur qui que je me faisais insulter par un certain Lorenzo par des mots africains? Mais non. Tu veux que je fasse quoi, mon ref? Je suis en train de faire un live sur FIFA. Tu veux que je fasse quoi? T'inquiète, je connais Lorenzo, on va discuter avec lui. La Centrafrique a gagné. Non, on a perdu, les gars. C'est bon, c'est fini. Moi, j'y crois plus, les gars. C'est fini. Frère, ça y est. Le pire, c'est qu'on était bien, les gars. On dominait le match. Hein. Dominé, on était bien de ouf, tout ça, etc. Égalisation. Let's go. J'ai plus la musique. Faut que je le remette. Le but de monsieur Johan Marotin. Pourquoi j'ai plus la musique, putain? Ah si, je l'ai. Voilà. Let's get it. Ouais, en fait, on dominait le match contre l'Angola. Mais bon, dominer, c'est pas gagné. Mais c'était quand même... voilà, c'est un exploit, les gars, de dominer le... Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que la Centrafrique, c'est le 4e pays le plus pauvre du monde, hein, les gars. Je sais pas si...
Je sais pas si vous réalisez, carrément, le match normalement il était à domicile. Tellement qu'on a un vieux terrain, et ben on a dû le jouer au Cameroun. Donc c'est pour vous dire à quel point la victoire était importante pour le moral du pays. Et non, nous on a perdu. Perdu 2-1 à la dernière minute, putain de merde. Ivan Perisic. Voilà. Le ballon pour Harry Kane. Ouais, ouais. C'est bien vu, ça. Damn. Martin va gagner l'Euro avec la France. Bah écoute, j'espère, mon ref. J'espère. Hein. Au Cameroun. Ouais, voilà, on a dû jouer au Cameroun. C'est pour vous dire vraiment à quel point c'était important pour nous, tu vois. Lingard. Intérieur, il va aller provoquer dans l'axe. Donc là il y a encore une chance, mais bon, faudra gagner contre le Ghana, il faudra que l'Angola ne gagne pas contre le dernier au classement, donc autant oublier quoi. Allez c'est joué court. Toujours 1-0. Si là ça se passe bien, je pense que je serai à la mi-temps. Voilà, la bonne passe. C'est parti, contrôle. Ziak, il revient dans l'axe. Pour ceux qui viennent d'arriver, les gars, il y a une petite échauffourée avec Son. Je pense que Son, il a le seum, les gars. Il a le seum parce que là, en fait, je suis titulaire. Ce qui fait que lui, il est remplaçant. Je tape les coups francs, je tape. Je prends son poste. Les gens, ils commencent à l'oublier. Je commence à bien jouer. Du coup, voilà, il y a de la jalousie dans ce groupe. Ça y est, Son. Son, ça dégage. Ça joue avec Lucas Moura. Oh là 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 là. Par contre, wesh. Comment ça fait, Anaïs? Elle est. Anaïs, c'est moi qui t'ai mis modo? C'est moi qui t'ai mis modo, Anaïs? Pourquoi j'ai fait ça? J'étais conscient? Oui! La tête d'homme, j'en sais un peu. Putain. Ah mais si. Si 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 si. Si 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 si, je crois. Même c'était un test de une semaine, je crois. Parce qu'il y avait zéro modo, je crois. Il y avait zéro modo, il y avait que des spams. Il y avait que Anaïs qui pouvait nous sauver. Frère, c'était un test de une semaine. Au final, j'ai fait que un live en deux semaines. Super. Bah écoute, après on va faire un vote, les gars. On va faire un vote. Elle était en période d'essai. Donc, du coup, après on va voter sur la garde ou pas dans la team modo. Elle sera notée sur un live. Ça va bien se passer. Allez. Est-ce que vous pensez qu'on devrait garder Anaïs en modo, les gars? Change de côté. Voilà. Putain, mais qu'est-ce qu'il joue bien. Tac. 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 Dommage. Adil, il l'a vu sur quoi? Il l'a vu sur quoi? Sur kick. Kick, Twitch, qu'est-ce qu'il fait? Il m'a dit qu'il allait live en plus. Oui, mais il faut cette carte sur Twitch. Wesh. Ah, l'équipe peut jouer le contre. Aïe aïe, dommage. Je suis là. Je suis là, frère. Merci. Dommage. Ah, sur Twitch. Ok. Les gars, coup franc. Coup franc, est-ce qu'on se fait une prédit sur ce coup franc, bordel de merde? Non, c'est mort, c'est mort. Il n'y aura pas de prédit là, sur ce coup franc là. C'est pas Gennaro lui hein. En tout cas pas encore. Gennaro lui il la met lui. Je vais faire une frappe vicieuse comme ça là. Ah ouais, ça rentre pas. Pff. Ok, son commentaire. Tu peux me mettre modo? Vas-y demain. Demain je te mets. Vas-y Anaïs, go cuisine. Go cuisine, deuxième degré. Je te laisse juger Anaïs. Soit tu le bannes, tu fais ce que tu veux. Si toi ça t'a fait rire la blague. On est où là? C'est, parti un c'est quand bouton, que ouais. Ça commence? Bah écoute ça. En fait appuie sur le bouton en direct. Je crois qu'il y en a, ils sont bloqués dans l'intro du live, wesh. Reviens avec là, nous en direct s'il te plaît. Tu me fais peur là. Cette deuxième mi-temps, place au jeu.
Vas-y, je suis là. Voilà. Voilà, c'est parti. Let's go, passe mon jambe. Putain. 60e minute, on va sortir, je crois. Hein. C'est mieux. Hein. Oui, la belle incursion, là. J'ai 8 de notes. On va pas niquer la note. Juste après, c'est Arsenal. Ouais, la jolie passe dans la match très important de FA Cup. Oh la D. Et la frappe part bien. Et oui. Pff, on va grave rester. On va grave rester. Y Lens, tu veux que je t'aide ou pas? Est-ce que je dois te bannir? Qu'est-ce qui se passe? Tu bug, tu spam, qu'est-ce qui se passe mon ref? Il mentionne que immigré parisien. Peut-être que c'est un bug hein. Tu me dis si tu veux je te débug. Harry Kane. Ah non, c'est balle perdue là par Kane. Allez. T'as poussé une jeu là-bas, putain. C'est fini lui. Les gars aussi après, donc du coup le programme de la soirée c'est quoi? C'est. Là c'est deviens pro avec le petit Juan Martin qui va essayer de continuer à s'imposer à Tottenham. Et ensuite, c'est carrière manager, les gars, on a commencé une nouvelle carrière manager. En fait, le principe, c'est super simple. On entraîne... Oh là là, on entraîne une sélection de U21 mondiale. Voilà. Du coup, on a créé une équipe avec les meilleurs U21 mondiales. Et dès qu'il y en a un qui a plus l'âge pour jouer en U21, on est obligé de le vendre. Ça veut dire que là, Pedri, Bellingham, tout ça, etc. Dès qu'ils ont 21 ans, on sera obligé de s'en débarrasser. C'est ça la difficulté de la carrière. C'est de à chaque fois devoir renouveler l'équipe. On gagne combien toutes les 5 minutes? En fait, tous ceux qui connaissent pas le règlement, les gars, vous tapez point d'exclamation, règle. Tout simplement. Ça va très bien se passer. En fait, vous gagnez 20 toutes les 5 minutes et si vous avez été actif dans le chat pendant ces 5 minutes, genre si vous avez dit un mot ou quoi, vous gagnez 20 en plus, donc ça fait 40 en vrai. Jesse Lingard. Le ballon est bien frappé, mais ça sort en 6 mètres. Arrêt de jeu, et c'est donc l'heure des changements pour les deux équipes. Tu vas faire beaucoup de prédits. Il y en aura 6. Même pas, il y en aura plus. Il y aura une dizaine dans le live. Il y aura le test de footix à la fin, comme d'hab. Et il y aura. Test de footix, par contre, c'est code x1. Mais pour les cinématiques, il y aura, je pense, 3 prédits. Que des codes x2. Ça va bien se passer, les gars. Je suis là. Bon. Merci, Son. Même si on s'aime pas, moi je vais pas célébrer avec lui, les gars. Mais merci, monsieur Son. Ça va, et vous, les gars? Pour toi, qui ballon d'or? Dans ma partie ou. Dans la vraie vie, je dirais Haaland. J'espère que c'est Haaland. Et dans ma partie, frère, je suis grave pas pressenti pour étant le prochain ballon d'or. J'ai flopé l'année d'avant à Salzbourg. Là, j'arrive à Tottenham. Mais le problème, c'est qu'on va affronter le FC Barcelone. Penalty. Est-ce qu'ils vont me laisser taper le penalty? Tiens. On dit tous Haaland, mais ça sera Messi. C'est ça le problème. Ah ouais, bah oui. Carton là. Ce serait kiffant quand même que l'année prochaine ils mettent des cartons pour les mains. Et le penalty est repoussé par le gardien. Allez, frère. J'espère que tu le tapes. Je le taperai pas. Frère, il y a Kane. Ici c'est pas Kane, c'est Son. C'est mort. Bon, fin du premier match. Vive les Béninois. Force à vous les gars. Je suis là en ayant le son de Adil. Mais il stream quoi Adil du coup là? Il fait quoi? Même pas dit. Il a fait ça en soum soum. Putain, on va affronter combien de fois Arsenal là déjà? 1, 2, 3. 3 fois en un mois frère. Ça y est. On a gagné 2-1 à l'aller. On coupe. Ah ouais là faudra s'imposer. Faudra s'imposer. Là, on va jouer contre Watford. Encore en coupe. Let's go, let's get it. Il explique pourquoi il arrivait pas. Ah ouais, c'est quoi l'excuse?
4 buts sur les 3 derniers matchs. Il est sur une série assez incroyable. Il a dû mentir. On se retrouve tout de suite. Tu vas live tous les jours sur YouTube. Après, vous connaissez, c'est les vacances. C'est les vacances, les gars, je réponds tout le temps chez moi. Salut à toutes et à tous, on est en direct de Londres, c'est l'heure. Donc je vous dirai dans l'espace communauté et dans le Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Benjamin da Silva et donc Omar. Bon, on va essayer si je suis chez moi et ouais. Par exemple là la semaine prochaine les gars, je pars à Nancy. Je pars à Nancy pour un festival. L'équipe qui reçoit aujourd'hui a clairement le statut de favori. Mais attention avec cette histoire des favoris. Vas-y, c'est parti. Et paraître. Et oui, c'est pas une chose. La seule dommage. Vérité, sur la... Pourquoi tu quittes pas le club? Il n'y a aucun palmarès et en plus tu mérites mieux. Mais c'est pas mon club, j'ai pas le choix en fait. J'ai pas eu le choix là. C'était soit j'allais être prêté à Tottenham, soit je restais en deuxième division avec Brighton. Donc à un moment donné, on me propose d'être prêté à Tottenham, un club qui joue la LDC, prendre de l'expérience, me frotter au niveau de Première Ligue. Je dis oui. C'est ce que je veux dire. Surtout qu'il restait 2 heures avant la fin du mercato. J'avais pas trop le choix, mon ref. Mais là, je vais me barrer. Hein. Fin de saison, je me casse, frère. Évidemment, quand on connaît son potentiel. Après, je retournerai pas en D2. Hein. Je pense que je vais redemander un transfert. Sa caractéristique, on la connaît. C'est sa lucidité, frappe. Sa précision. Oh, oh là 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 là, monsieur Yoann Martin. Monsieur Yoann Martin, le génie français, mesdames et messieurs, let's go! Merci, monsieur. Regardez-moi cette puissance, cette douceur. Oh, coup de pied. Oh là là là, merci. Faites gaffe à tout, les gars. Hein. Faites gaffe à tout. Regardez à quelle minute il a marqué, à quelle distance il a marqué. À tout moment, il y a une question, les gars. C'est le bâtard. Je sais pas si vous vous rappelez l'année dernière quand je posais des questions précises de ouf. Moi j'étais vraiment un bâtard. À quelle minute on s'est mangé un carton rouge en finale de Ligue des Champions lors de l'épisode précédent? Oh vraiment un chien. Yona est trouvé en plus hein. Ah Yona carrément il révisait. Yona il tapait des révisions avant les lives. Des malades frère. Carrément je sortais des vidéos à 2 heures avant les lives. Du best-of du live précédent. Et je disais à la 5ème minute de la vidéo best-of, qui marque. Putain, quel chien. C'était vraiment grave drôle. Ça va grave refaire ça là. Faudra le mériter, les gars, Yesport FC. Ouais. Ouais. Putain. J'ai noté. Hein? Elle dit quoi? J'ai noté le passeur. Ok, bah efface. Tu peux effacer, il y aura pas de question. Tu peux vite effacer. Vas-y, venez dans les pieds là. Voilà, Kane qui se dévoue. Centre deuxième poteau. Dommage. Ballon dégagé sur ce centre. Je suis là mon ref. Ta contrôle. Oh ah ouais, j'ai bugué les gars. L'intention était bonne sur cette frappe lointaine, c'est pas mal. Tu te rappelles Gennaro et Vini, frère, c'était le Brasil. C'était le vrai Brasil avec eux deux. Deux charros là. Là, de base, en fait, la guerre de Martin, elle est calme. Mais aujourd'hui, les gars, il va se passer des choses. Franchement, restez bien attentifs quand il y aura des cinématiques, lisez tout. C'est carrément ChatGPT en fait qui a fait le RP. En fait, c'est grave lourd de faire le RP avec ChatGPT. Hein. Parce qu'en fait, moi, je lui dis, je vais dans ChatGPT et je lui dis, fais-moi un dialogue. J'écris vraiment ça, j'écris vraiment un dialogue entre Son et Martin. Et Son qui reproche à Martin de pas faire trop de passes, etc. Et Martin qui le prend mal. Et il fait tout. Il fait tout, moi je copie-colle, c'est carré. C'est grave drôle. Ça me fait gagner du temps là, au lieu de réfléchir à chaque fois. Carrément, j'ai... Bref, je vais pas spoiler. Mais tu peux dire à ChatGPT de te faire des interviews. Fais-moi une interview d'après match, après avoir fait un bon match par exemple. C'est incroyable. Et la balle change de camp. Et pourquoi pas. Pourquoi se casser la tête là, en fait. Harry Winks. Elle frappe contrée sans souci. Tu live demain? Demain de quel jour? Bien sûr, je live demain. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ah, demain le dimanche, ok. Ah, la défense. Ouais, moi je suis là. Pour redescendre. Ah, le contre était bien parti. Non, les gars, ce soir ça va être une bonne nocturne, ça va bien se passer. Gros live jusqu'à, je sais pas, peut-être minuit, peut-être.
Et après, live sur Kick, on va aller sur Omegle. En fait, soit Omegle, soit on se balade sur les réseaux sociaux, on critique les gens, tout ça, etc. On regarde des vidéos YouTube. Comme vous voulez. On se balade sur TikTok. On va faire les gens aigris sur TikTok. Ça va bien se passer, les gars. Ça va bien se passer. Lucas. Joue là-bas, ouais, et moi je suis là. Voilà, putain, mais le football, dommage. Ah ouais. Ça c'est le football. Omegle, Omegle, Omegle. Ah ouais, vous aimez voir des gens bizarres sur Omegle. Ça va bien se passer. Corner. Main. Ça joue avec Lucas Moura. Frère, à main là. Tranquille, je suis là. Voilà, deuxième poteau avec qui? Tac. Ballon pour Kane. Oh là là, le 1-2 avec Kane, la frappe de Monsieur Martin. Ça part en corner, les gars, je me casse. Allez. J'attends Arsenal, moi. Et le changement va donc avoir lieu. Reviens sur Twitch, ça y est, frère, Twitch. Il y en a marre du bénévolat, les gars. Non, en fait, Twitch, en fait, c'est une plateforme qui est mal faite. Ils mettent pas les gens en avant. Frère, sur Twitch, on est 15, les gars, wesh. On est 15, il n'y a pas de suggestion, il n'y a rien. Ça pue la merde. Dites-vous, 70k sur Twitch, j'ai le même nombre de viewers que sur Kick. Alors que sur Kick, on est 400. T'imagines? 400 personnes vs 70k personnes. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe Twitch là? C'est quoi ce calcul là? T'as gagné combien sur Kick? J'ai gagné 15 balles sur Kick. C'est bon, je suis à la retraite là. Je vais prendre ma retraite. Non, en vrai, ils ont pas encore mis le système des 16 balles de l'heure. Le GOAT entre sur la pelouse. Qui ça? Y'a Ronaldo qui joue? Si vous avez bien lu les cinématiques, vous avez vu que c'est vraiment tendu dans le groupe là. Il y a vraiment aucune chance pour que je reste à la fin de la saison. Là, je suis à deux doigts de me péter avec Son. T'as déjà fait un concours sans pay to win? Qui ça? DG ou moi? DG, non, DG il a toujours pay to win. DG il a toujours pay to win, ce fou. J'arrive en Ligue 2 à force, hein. Force, force, force. En tout cas, il faut être top 3, les gars, pour gagner eSport FC. Hein. C'est que la LDC ici. Junior, wesh, Lélé! Putain, Lélé nous a manqué, les gars. Eh, hey, Lélé, elle vous a manqué, les gars? Levez la main ce que... si elle vous a manqué. Personne va lever là. Je suis vraiment un bâtard de faire ça. Levez la main si elle vous a manqué, les gars. Oh, les bâtards, il y a zéro main levée, wesh. Putain, mais ce qui est... Wesh, les emojis sont payants ou... Eh, c'est vraiment... Eh, vous êtes... Oh, putain, c'était gratuit, ça, wesh. Oh, les bâtards. Lélé, ça dit quoi, wesh? Non, les gars, vous êtes des chiens. Ah, bah voilà, Lens, t'es gentil, wesh. Fan de foot, bah oui, les gars, wesh. Quand même, on est une communauté. Lélé, c'est la seule personne, elle est là tous les jours dans le live, mais que si c'est YouTube. Elle veut grave pas venir sur Twitch. Ou Kick. Elle veut rien savoir. C'est parti. Ouais. But. Oh là 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 là, il est pas en jeu. Bien quoi, Traoré? Traoré, tu dates, hein? Traoré de retour aussi. Bien quoi, monsieur Traoré? Allez, ça fait déjà 1-0. Les gars, ça fait 3-1 pour l'instant sur l'ensemble des deux matchs. Donc je disais quoi? Je disais, ouais, là c'est tendu, les gars. Là, dans le RP, c'est tendu entre Son et Martin. Et du coup, en fait, à votre avis, qu'est-ce qu'il doit faire, les gars? Est-ce qu'il doit appeler Elise ou pas? Je vous explique le problème. Le problème, c'est que j'ai un agent très connu qui s'appelle George Mendes. Certains le connaissent pour avoir été l'agent de CR7. Et du coup, dès que je l'ai engagé, il a dit les termes. Il a dit, les meufs t'oublient. Donc moi, tu vois, je lui fais confiance. J'ai vu la carrière de CR7, j'ai vu la carrière de tous les joueurs qu'il a géré. Je me suis dit, bon... Il faut l'écouter pour réussir. Du coup, on l'a écouté, on a dit Elise, tu dégages. Mais le problème, c'est que maintenant, il regrette. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire, les gars?
Qu'est-ce qu'il doit faire? Bika, un sub. Non mais regarde, Anaïs, c'est sur 3 mois et Bika, un sub, c'est rien quand tu auras 300k. Hein. Il y en aura 100 pay to win, ils auront 300k. Et au final, il y en a, ils vont se sub, ils vont gagner 8k. T'inquiète pas. Avec des 2000 sur la table, code x2, ça va aller très vite. Le ballon pour Harry Kane. J'ai tout calculé, les gars, vous inquiétez pas. Pour Harry Kane. Oh et le dommage. Fracasse la barre il a dû forcer au pauvre. Tu pourras faire un tuto Moussa Cissé. Ouais, mais Moussa, je l'ai arrêté. Hein. J'ai arrêté Moussa. Ah, t'as. Attends, il a fait un sub. J'ai raté. Excellente intervention. Pourquoi j'ai pas eu la notif? Pourquoi j'ai pas eu les. Hey, c'est un ballon. GG, monsieur DG. Max 2G. Attends, j'ai raté. Attendez. Wesh. Y'a que vous qui avez. Y'a que vous, les gars, qui avez vu. On a pas vu aussi. Ouais, moi j'ai pas vu perso. Hein. Qu'est-ce qui se passe là, filou là? C'est quoi cette manigance là? Non, sérieusement, les gars, il vient de se passer quoi, les gars? Martinelli. Qu'est-ce qu'il a fait, filou là? Je comprends pas. Il y a pas eu de sub. Hein. On a pas vu, il a juste crié. Hein? Saka. Il a le logo. Mais il était déjà membre. Oh là 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 là, dommage. J'ai le logo, mais tu l'avais pas déjà? Avant, il l'avait pas. Ah, ok, ok. Ok, ok. Bah, pourquoi j'ai pas eu la notif? C'est bizarre, wesh. Ok, BJ. Merci, monsieur DG, un Mac de GG pour lui. En tout cas, YouTube, ça a bugué. Hein. J'ai cru qu'il y avait un truc bizarre là. J'ai cru que Philou, il nous faisait une Nisco. Je me suis dit, Philou, après tout ce que t'as fait. Voilà, monsieur! Let's go! Est-ce que tu as déjà fait le tuto Moussa Cissé? Non, jamais. Allez, bref, on se concentre, les gars. 2-1 pour l'instant pour Tottenham. Voilà, voilà. Et franchement, vous avez vu le taf de ChatGPT? Eh, hey, ChatGPT, il a tout écrit là. Dialogue, tout ça, etc. Incroyable. Moi, je suis là, je regarde. Je copie-colle, je mets dans la cinématique et c'est carré dans l'axe. En plus, il débite. Hein. Je lui dis, vas-y, fais un dialogue où il hésite de parler à Élise, etc. Normal. Vers l'intérieur, on va aller provoquer, balloter. Ouais, c'est contré, bonne défense. But. Wesh. Interception du ballon, donc. Aïe, aïe, dommage. Vas-y, je suis là. Ok, super ça, je suis là. Ok, super, je suis là. Wesh les gars, battez-vous. J'ai raté quoi? Rien. Je lui remets de la musique, non. J'ai pas de musique à vous mettre, les gars. On est pas à la radio, là. C'est pas Skyrock, là. Parce qu'on va dépasser les 200 sur ce live, pour ce retour. Allez, c'est parti. Kane, tu m'as vu, Kane. Voilà. Et c'est parti, la vitesse. Yoann Martin, Yoann Marotin, mesdames et messieurs, le génie français qui marque. J'espère que monsieur Deschamps regarde cette prestation. En tout cas, il est en forme. Continue à planter. Continue à nous faire oublier le coréen Sun. Il est dégoûté sur le banc. Merci, monsieur Martin. Je me barrer à la mi-temps, les gars. Le skin Sun. GG, merci la team. Donc là, il doit rester quoi? Il doit rester une ou deux cinématiques. Non, une ou deux prédits. Faudra rester concentré. Hein. Que des codes x2 là. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Je suis maudit. Je go nouvelle école, c'est mieux. J'ai fait le tuto Martin Junior. Alors ça a marché? Pourquoi tu fais plus autant de prédits qu'avant? Parce que en fait, c'est le chat, il sera trop concert. Les gens ils vont se ramener pour s'abonner, ils vont voir le chat, ils vont avoir peur, ils vont dire wesh, c'est quoi cette secte là?
y a que des commandes, il y a que des cotes, il y a que des points d'exclamation pilules, ils vont pas comprendre, tu vois. Faut toujours doser. C'est important. Wesh. Vas-y, je suis là. Voilà. Un centre en première intention. Putain. Boum, le ballon est dégagé là. Le meilleur junior bien vu, mec. Ferland Mendy. Bon. On va demander à sortir, hein. Je pense qu'on est qualifié au prochain tour. La rumeur, on va gagner cette FA Cup. Imaginez, je gagne un trophée, les gars, avec Tottenham. Légende ou pas? Voilà, est-ce que j'ai ma carte icône si je fais ça? Carte héros. Tout le monde se mit d'accord. Surtout si je gagne à LDC. Hein. Là, hop, je suis passé. Oh là là là, talonnade. T'es passé. Voilà. Tac. Tac. Tu récupères le ballon, tu lèves la tête. Tu joues sur le côté. Oui. T'es parti. Oh là 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 là, le footy-ball. Merci, monsieur. Dommage. Vous êtes là à rager, j'ai toujours joué dans les règles. C'est vrai, les gars. Hein. Je vois déjà, il y a beaucoup d'ennemis en utilisant le pay to win, mais en vrai, ça fait partie du règlement. Mettez point d'exclamation, règle et voilà, vous avez plein d'options pour gagner, bordel de merde. Sur quelle vidéo tu as déjà fait le tuto Yoann Martin? Une vidéo qui est sortie il y a 2 heures. Il y a 2 heures, là, tu quittes le live, tu vas dans vidéo et tu vois. Alors, ok, est-ce qu'on se fait une prédit, les gars? Est-ce qu'on se fait une petite prédit? Prédit, je sais là, c'est que je suis pas bien à Tottenham. Je suis pas bien à Tottenham, il y a des embrouilles. Je vais vite me barrer. Comment ça, j'ai 20 pilules? Ah, frérot. Un footix premier, t'as vu ça? Non, mais ça va aller vite, les gars. En fait, une fois que vous aurez 1000, 2000, 3000, etc., et qu'il y aura des prédits, vous pourrez miser des tapis 2K sur des codes x2, ça va aller vite. Je pense que le premier au classement à la fin il aura 300k, je pense. Au moins. Salut à tous. S'il y en a un qui a 300k. Hein. Dans cette ambiance londonienne à l'émirat. Parce que là, en vrai, le jeu il sort dans 2 mois, 3 mois. Vous avez le time. Les gens réfléchissent pas, mais bon. Ouais, de ouf. Ils paniquent, tu sais. Allez, c'est parti. On va jouer contre cette équipe d'Arsenal encore une fois. Pour la troisième fois ce mois-ci. Objectif regagné. Hein. Allez, passe-moi, je vais me crocher. Il est passé. Il a vu là-bas, de l'autre côté. Oui. Ça joue avec Lucas Moura qui joue en retrait. Oh, oh là 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 là, c'était beau. J'aurais dû être perso là. C'est à cause de Son, ça. Son, il nous reproche d'être perso. Au final, là, j'aurais dû être perso, là. La grosse intervention, là. Il pourrit la vie, même quand il est remplaçant. Et voilà la compo de Tottenham. Bon. C'est pas grave. Belek, on perd en finale, hein. Parce que Tottenham, voilà, c'est dans les habitudes. Pas gagner de compétition. En plus, on joue contre Manchester, là. Ça va être compliqué. Allez, t'es passé à la vitesse. La vitesse du génie français. Beaucoup trop rapide, le génie français, Martin. Qui sera sûrement la révélation de l'Euro. Allez, tac. Ça joue le 1-2. Je suis là. Ok, tranquille. Tac. Fais tourner. C'est ça que je le reproche. S'il te plaît, tu pourras faire un tuto Moussa. Je crois que j'ai déjà fait, mon ref, mes tutos Moussa Sissé Junior TV. Tu vas trouver, je pense. Ok, tac. Oh là là, la passe pour Kane. Le football, mesdames et messieurs. Ça, c'est le football. J'ai commencé FIFA, c'est trop d'art. Mais non. Enfin, tu joues à des vrais jeux. Allez, c'est parti. Putain, carrément, Lucas Moura capitaine. Alors qu'il y a Kane sur le terrain. Ils ont mis Lucas Moumou. Allez, Lucas. On presse. On continue à les inquiéter. Voilà, encore, les gars, encore. La progression de Bukayo Saka. Ok, je suis parti. Tac.
Plus vite! Ton gros corps, Kane. Lucas Moumouna. Lucas Moumouna, Moumou, il a dit. Lucas Moumou. Ça joue sur Saka. La pression bonne, putain, je suis là. Dans les bras du gardien, sans difficulté. Voilà, tranquilo. Tranquilo, je suis passé. Tac, je passe dans l'axe. Je suis là. Merci. Viens dans les pieds. Voilà. Oh là 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 là, mais le 1-2. On n'a pas besoin de Sun, les gars. Ah, voilà, putain. Le dire, et finalement, derrière, le ballon est perdu. Ken, tu le mets icône ou héros? Je le mets héros que si il gagne un trophée avec Tottenham. Et que c'est grâce à lui, genre, qu'il gagne. Avec un but à la Aguero à la dernière seconde. Là, ok. Mais là, Kane, faut arrêter à un moment donné. On pourra pas mettre tout le monde héros, hein. À un moment donné, FIFA, ce sera saturé, hein. Si on commence à mettre tout le monde légende, on se sort plus. Dites-vous, il y a des mecs comme Morientes, ils sont icônes, frère, ça y est. On est où, là? Non, là, ils ont mis Morientes héros, là, maintenant. Ils ont compris que c'était pas un grand joueur. Est-ce qu'on peut miser 300? Mais non. Maximum 2K. Maximum 2K la mise. La passe pour Araujo. Bukayo Saka reçoit le ballon. C'est déjà beaucoup. Et c'est pour Araujo. Attention, pour attention, hors jeu. Ok. Je suis là, mon ref. Je suis vraiment le maître à jouer de cette équipe. Tous les ballons passent par moi. Voilà, contrôle. Changement de côté à la Beckham. Emerson. Personne qui contrôle. Oui, Kane. Tu m'as vu, Kane. Dans la course. C'est bien fait, il fallait intervenir. C'est renvoyé par la défense. Minimum 2K, non. Minimum 100, maximum 2K. Jorginho. Quel est ton RP préféré? En vrai, celui que j'ai bien fait. Arsenal, qui peut se projeter dans qui était réaliste, on va dire. Je pense que c'est Yangli, en vrai. Yangli, c'était réaliste. Ah non, parce que j'ai grave beulé avec Rico Gennaro. C'était vraiment la rue, c'était pas réaliste, en vrai. Des meurtres, prison. Des prostituées à Cuba. Des trucs bizarres avec Gennaro, des trucs bizarres avec Rico qui couche avec sa sœur. Des trucs trop insolites. Après, j'ai compris que mon RP il était pas réaliste, en fait. Et Yangli c'était clean, en vrai. Yangli c'était carré, wesh. Même Zaki, en vrai, hein. Zaki c'était réaliste. Il y a pas eu de débordement. Tout le monde y participe. L'écart est encore faible. Ils ont le match en main pour l'instant. Mis à part le nombre de buts par match qu'ils mettaient, c'était réaliste. Rodrigo Bentancur. Et voilà, on ira. De fou, surtout Zaki. Ouais, de ouf. Je connais au début, on est là, on rigole. Vous êtes combien en classement? Là, on est 4ème en classement. Qui est meilleur entre Gennaro et Rico? Les gars, c'est Rico. Ouais. Rico, il était trop fort. Gennaro, c'était un perso, hein. Il voulait faire zéro passe D, wesh. C'est parti, un instant. Il voulait rien savoir. Tu vois, Rico, ça va. Je crois qu'il était à 400 passes D à la fin de sa carrière. C'est énorme. 400 passes D, 1000 buts. Gennaro, il était à 1000 buts, 0 passe D presque. Il voulait rien savoir. Et après, comme on n'avait pas la technique pour savoir comment être ballon d'or, du coup, on a gagné que 3 ballons d'or avec Gennaro. Le ballon pour Ferland Mendy. Rico, il en a gagné 3 ou 4. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Zaki, il en a gagné 5, non 5, 6, je sais plus. Le ballon. Bref, reste bien sur cette offensive. Là maintenant, c'est l'air Johan Martin. Le génie français qui se cherche encore. Actuellement prêt à Tottenham. Ouais, c'est une bonne défense avec cette interception. Il a hâte que la saison se finisse et l'on a marre de la pression. Cette pression médiatique autour de son histoire avec Son. Attention, let's go. Contrôle, crochet, frappe. Main. Ouais, je me suis l'arbitre. On l'a vu, une petite main. 7 pour Zaki et 4 Coupes du Monde. Et là, les gars, il y a carrément Adil. Il fait un live Omegle, hein. Oh, lui, il veut le ban, lui. Il vient d'arriver, il veut directement se barrer. Non, on va faire ça sur kick, les gars. Zaki meurt que Gennaro au PSG. Ah, Gennaro au PSG. Non, t'es fou. Non. Jamais je pourrais être meilleur que. Frère, Gennaro, son deuxième passage au PSG. Hein. Jamais je connaîtrais un passage comme ça.
La compilation de dribble, elle est incroyable, les gars. Et toujours la progression du ballon dans j'ai le regardé à pas longtemps la compilation de dribble, ce que je faisais, c'était une dinguerie. Ça joue avec Lucas Moura. Mais non, là c'est un hors-jeu. Tu voulais aller à Chelsea, même si tu as... Ouais, ouais, bah pourquoi pas. De toute façon, c'est des Anglais, hein. Sterling, il a fait Liverpool, il s'est barré à City, il part à Chelsea, il en a rien à foutre. Les Anglais, ils en ont rien à foutre. Les Anglais et les Italiens, ils en ont rien à carrer. Là, demain, Kane, il peut aller à United, c'est la vie, frère. C'est l'Angleterre. J'ai hâte de voir ces deux équipes s'affronter. Pour n'importe quel fan de football, c'est une opposition très intéressante. En plus, tu vois, quand tu passes de Tottenham à Chelsea, t'as pas besoin de déménager. C'est London, mec. C'est là, c'est à côté. Bon, il reste 30 minutes. On va sortir comme d'habitude, on va laisser la place à Son. Hein. Seigneur. Mais non ! Pourquoi j'ai demandé à sortir ? Seigneur, tu comptes aller où ? Je sais pas. Mais tout ce que je sais, les gars, c'est que j'ai pas envie de retourner à Brighton. Donc, je prends n'importe quelle offre. Je me casse. Je me casse. Regardez cette poignée de main hypocrite. Ça me dégoûte. À votre avis, but ou pas ? Il va louper. Ah, bâtard. Tu sors tout le temps ? Ouais, quand je vois que j'ai une bonne note. C'est bon, on a gagné de façon tranquille. Allez. Bientôt la prochaine cinématique, les gars. Soyez attentifs. Hein. À chaque cinématique, faut bien lire. Car moi, il y avait une cinématique. Le mec, il était dans son lit. C'était trop facile, les gars. Il disait, ouais, je sais pas si je vais l'appeler. Pour l'instant, je suis indécis. Je pense que je devrais lui laisser le temps, etc. Nanana. Et la cinématique, c'est, est-ce qu'il va l'appeler ce soir ? Oui. Vous n'êtes pas concentré, vous. Alors qu'il vient de dire, il me faut du temps. C'est ça votre problème. Vous êtes trop focus sur le chat. C'était un test. Pour gagner eSport FC, les gars, faudrait être focus. T'as combien de ballons d'or ? Zéro, mon ref. Là, il a que 19 ans, là. Mais là, de toute façon, là, je gagne la LDC et je gagne l'Euro avec la France. Ballon d'or à 20 ans. Ça va très bien se passer. Alors, pour taper les coups francs, faut que j'améliore quoi, là ? Enfin, pour taper les pénaltys. C'est ça, hein ? Penalty, on va mettre 100 en pénalty. La vie que je tire pas les pénaltys, hein. C'est du racisme. Je mets 100 en pénalty. Si je tire pas les pénaltys, c'est clairement du racisme. Je ne veux rien savoir. Tu préfères CR7 ou Messi ? Ouais, la question elle se pose encore, les gars. Quand même, les gars. Pas compliqué. Bien sûr qu'on préfère CR7. Ouh, le Barça qui arrive. Salah et Mané méritent au moins un ballon d'or. Ouais, mais c'est pas comme ça la vie. Le monde est méchant, frère. Certes, t'es bon, mais un ballon d'or, c'est un ballon d'or. Il faut être le meilleur joueur sur une saison. Le monde est méchant, frérot. Alors, on va jouer contre Bradford. Ils sont combien au classement, là ? Bradford, combien au classement ? Ouah, si on gagne pas, les gars. Attends, là, si on gagne, on est combien au classement ? On est... En vrai, là, si on perd la course au titre, c'est vraiment terminé. Si on gagne, on continue à se rapprocher. Mais on reste quand même très loin. Ok, attendez 2 secondes. Ouais, les gars, je crois que j'ai une cinématique à vous montrer. Les gars, restez attentifs, ça va très bien se passer. Comme d'habitude, lisez tout. Code x2,